essayer de prendre des colosses ou pas, parce qu'il y a tellement. Regarde-moi ça, il recule. Ouais, il arrive à colosse qui est pris. Très bon bien joué, mais le problème, c'est qu'il a pas assez. Il y a 4 colosses, il va peut-être les prendre. Mais à quel coup, il perd sur ses coups. Et qui vraiment qui a tellement bien joué dans cette game, qui est en train de massacrer les deux. Oh là là, il sort. Tranquillement. Dans le pire, les buts. Ça va, je vais détruire tout. Je vais détruire ta B3, je vais te détruire entièrement. Qui sont tellement bien positionnés, tous les idoles gratuits d'Eki, ça commence à limiter, mais il y a tellement d'Imo, il y a 6 Imo contre un seul Imo. Allez, il arrive sur la B3, attention quand même parce que le rocher n'est pas cassé. Tu me diras, il doit avoir un recall, donc tout va bien. Ah, on l'a fait 3 snipés. Oh là, il est sniper, il va prendre un recall. D'unité. C'est parti, les drones qui sont là, qui prennent la fight, les Queen Kill, les Roach qui arrivent. Est-ce qu'il peut faire la différence? Est-ce que Elkir montre sa micro perfection pour gagner ce troisième point? Ou ça sera Nertio? Attention à voir ça, quel micro. Ah, c'est chaud! J'ai l'impression qu'il va passer la micro qui est parfait. Et qui joue sa game, il joue son patou. Nertio, il le fait, il est en train de le faire. Regarde-moi ça, les stalkers blink, dès qu'il a plus le bouclier, il sort, les Zilop qui sont là pour tanker, c'est magnifique. Le mec, c'est en train de se déplacer, heureusement cette mine lui a permis de garder un tout petit peu d'avance. Le scan qui est fait, ça aurait pu faire très mal avec Medivac, il a fait plus d'armée. La tourelle qui est posée, on a du Viking pour la supériorité aérienne de la part de Major. Major qui va tenter le go, Major qui va aller chercher le miel dans la ligne de minerai de Daisho. Pour le Mexique, il y a trop d'éliens. GG. Grande chose pour le moment, regardez les dégâts qui sont faits sur la bio. Et le kiting qui est bon, la blink offensive, c'est peut-être un petit peu ballsy, mais c'est pas mal micro quand même de la part des deux joueurs. Limo, 144 de pop face à 159 pour Major. C'est possible, Limo, c'est possible, Limo c'est qui possible. Est peut-être en train de retourner. Le Nexus qui n'est pas cancel. Et les EMP qui sont envoyés, il y a 3 archons qui prennent. Aïe aïe aïe, beaucoup de EMP. Ah Limo, ah Limo qui va donner sur ce coup-là, Limo. GG. On vous rappelle qu'en plus c'est un petit patch qui est passé, il a un petit top de la mine. Il n'y a plus le suivant le radius, en gros le dégât c'est 40 sur un terrain. Voilà, hein. Sachez que contre Proto c'est 40 plus 40, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Bien défendu de la part de Steph. Ouais, mais il défend deux spots, mais pourra-t-il défendre les trois? Ici la hache pourrait se faire prélever et Major qui commence à passer en mode production intensive. Attention les manics ici qui vont tenter une connexion. Le bon scan, il y a pas encore le speed, il y a pas encore le speed qui va faire maintenant. Oh, le détail, il y a une petite concave là. De la part de Daisho. Il va prendre sur mon détente. Oh, il y a beaucoup, de mêling. Le split. Oh là là. Ça passe. Les bandings. Daisho qui a pris split. Pré split de Daisho. Daisho qui va. Le storm n'est pas encore là, donc il peut prendre la fight et c'est parti, la fight qui est prise. Une belle conquête parce qu'en plus le Nexus qui jette quand même le Protoss. Et voilà les Vikings qui font un massacre sur les colosses, le shift la clique. Et il y a trop pour Deshi. Deshi qui va se faire. Troisième place, attention, c'est pas encore fini parce que les colosses font quand même un carnage. Attention. Les deux colosses qui sont pas.
après Ron, j'ai décidé vraiment bien cette Ron qui m'ont sorti. Oh, Jim Alden! Ça lui a coûté aussi pas mal de pop. Attention, parce qu'il a vraiment... Oh, très bien joué.